Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon let's play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Ouah, ça commence à être long. Alors la dernière fois on avait fait pas mal de bastons et je voulais retourner au front, même si là pour le coup j'ai plus beaucoup de gens pour m'en occuper. Est-ce qu'elle est assiégée? On va voir ce que ça dit. Est-ce qu'elle est vraiment assiégée ou c'est juste marqué assiégée? Est-ce qu'elle n'est plus assiégée? Est-ce qu'on peut les vendre? Eh non, mais je présentais pas. Boum. Ah zut! 27 soldats aptes à combattre les 32 soldats ennemis. Bon. Eh ben, j'espère qu'on va y arriver. C'est pas dit. Je crois que j'ai fait une jolie connerie en faisant ça. Parce que c'est genre des mecs à cheval. Et genre les mecs à cheval, c'est jamais sympa. Non, ça va? Et pour l'instant, ça va, hein? Par contre, faut vraiment pas que je subisse trop de dégâts. Parce que si j'en subis trop, je vais crever. Et là j'ai pas franchement de marge. Mais poussez-vous! J'inflige vraiment pas assez de dégâts en fait. J'inflige vraiment pas assez de dégâts. On est à 5 morts pour l'instant. Bon, ça va. Il va falloir vraiment qu'on refasse les stocks, on va dire. Bon, réussi. Je crois que j'avais fait une belle connerie. 5 tués, 7 blessés, 26 tués, 7 blessés. Voilà, on améliore tout ça. En tout cas, pour le coup, ça entraîne bien. Là, ils ont des trucs sympas. De la viande, on prend. On prend le maximum de matos. Ok, là, on est à bloc. 286 deniers. Bon, on se tire parce que là, je suis exsangue. Je suis vraiment mort. Il faut que je me tire. On va essayer de tuer. Ok, là ça va pas du tout. Ok, je suis à moins 5. Non, pillez pas mon village. Mais je peux pas. Voilà, ça y est, arrêtez de piller mon village.
Il y a une baston là. 47 contre. C'est le foutoir total. J'ai plus d'armée, j'ai plus rien. Enfin, si. Reste une armée, mais c'est. C'est tellement. Je suis tellement mort en fait. Mais là, j'ai déjà. Tac, on va acheter celui-là. Il semblerait que je pouvais pas les acheter dans les deux sens. Ah zut, j'ai vendu de la viande séchée, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ok, je peux plus rien vendre. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, on voit qu'ils essayent de. C'est combien contre combien là? 56 contre 18. Je pense qu'on peut se permettre de faire cette baston. Vache, on en aura fait des bastons. Hein. Ça a augmenté ma renommée à mort. Allez, venez là. Où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas du tout. Ah, si, là-bas. Wow! Mec, abuse, hein. Je suis même pas sûr de pouvoir les toucher à cette distance. Wow. Alors vous savez quoi? On va se mettre ici. On descend de cheval. Ouf. Au milieu de la mêlée, c'était pas la meilleure idée du siècle. Ah, c'est vraiment les mecs à cheval qui sont casse-pieds. Dix points de dégâts au cheval quand même. Ouh. Il s'est baissé quoi. Reste combien en face? Il reste deux. Il y en a là-bas et là. Chaud, 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 chaud les marrons. Victoire. Capturer. 31, ça c'est bien. On a vraiment du bon matos qu'on peut revendre. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça donne pas tant que ça en argent, ces bastons.
Ok, là ça va. Je suis remonté là-haut. C'est chaud, Sébaston, c'est chaud. Des bandits des montagnes, ça pourrait faire du bon entraînement. Oh! 53? C'était 24. Oh merde. Vous ne me voyez pas devant mon écran, mais là je suis consterné par ma connerie. Là 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 là, est-ce que je vais réussir à survivre à cette baston? J'en sais absolument rien. Parce que même si c'est des bandits des montagnes, déjà c'est pas simple. Et en plus de ça, ça fait beaucoup. Non mais genre, 53, c'est énorme, en fait. Ok, ça va, je l'ai one shot. Enfin non, j'en ai one shoté un, c'est pas pareil. Ah oui, non. Ok, alors on en a eu deux. Ah là là. J'ai failli me prendre l'arbre, et l'arbre, ça craint. Là, il me faudrait juste une grenade ou un truc comme ça, je lance dans le tas. Hein, franchement, ça me démange. Si j'avais une grenade, je jure que j'aurais lancé dans le tas. Faut vraiment que je change d'arme. Je pense que le prochain investissement, ça va être une méga arme à deux mains. Un truc qui fracasse bien. Ils arrêtent pas de parer. Il y en a un qui a bugué. Ça fait... J'ai genre une allonge de caca. Attendez, on va les faire se ramener par ici. Ramenez-vous par là. Voilà. Ça va déjà un poil mieux. Parce que là, il se disperse. J'en ai une partie. En face, il devrait largement être assez nombreux pour les gérer. Oh la vache! Arrêtez de parer mes coups! De nouveaux ennemis sont arrivés. Et ouais, génial. Voilà, ça c'est bon. Voilà.
Ok. Là. Il faut vite que je les arrête, que je leur fasse coucou, si... je suis là. Ah, ça y est, ils m'ont vu. Comme ça. Ah. Va pas dans cette direction, toi. J'aime pas les archers. Non. J'aime pas les lanciers. Quoi? Ça ne lui a rien fait? Enfin. Je pensais que ça lui ferait au moins plus que 23 de dégâts. Voilà. La vache, avec tout l'XP que je prends, il y a moins que je monte de niveau là. Ah, il reste pas longtemps, il reste pas beaucoup là. Voilà. Tac, on va passer derrière et on s'occuper d'eux. On va pouvoir descendre. Tiens, t'as essayé de m'avoir toi? Oh, pff. Voilà. Et 41 de morts en face. Et zéro pour nous, quoi. C'est pas magnifique. Ah, je suis au max. Ça, c'est une bataille que j'appelle gérée. Parce que franchement, faire ce genre de truc, c'est pas simple. Chaud, chaud, chaud. Il va falloir que je vende tout ça. Ben voilà, je suis quand même niveau 14. Bon, il va du côté de Fedner. Bon, chaud. Alors, niveau 14. Intel augmenté, on va augmenter le l'inventaire. La connaissance du terrain pour aller plus vite, parce que là, on se fait pister, mais à mort. En fait, il me faudrait plein de points en intel pour mettre plein de points de compétences. Il faudrait que je fasse ça. Allez, on va du côté gel qu'elle a. Il faut que je vende des trucs. Je suis à 102 en renommée. Limite de la taille du groupe, 60. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. C'est-à-dire, quand on aura une armée d'une centaine de Gugus, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. On a, comment dire, on n'aura pas trop de problèmes de d'attaque par des troupes alliées, enfin ennemies. Oh, il y a un tournoi. Bah, ça tombe bien, on va essayer de se faire un tournoi. Rançonneur, voyageur, rançonneur. Alors, rançonneur. Allez. Ah, j'aurais aimé avoir plus de prisonniers parce que ça se vend bien les prisonniers, c'est cool. Alors, rejoins le tournoi, pariez sur vous-même. Ah. Ah. J'allais dire c'est... Ah, je suis occupé. Voilà. J'allais dire, c'est pratique l'équipement qu'il me donne.
Par contre, j'ai pas fait gaffe. Je crois que j'étais pas tout à fait soigné. Ah, oh, la vache, le cheval qui s'est mis à terre. Ah, mais non, ah non. En fait, ils sont juste en train de se taper dessus. Voilà, ça c'était bien. On va faire le tournoi, hein, avant d'arrêter là l'épisode. Ouf. Il y a eu un sursaut là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas cool. Ouah, chaud. Le virage l'a bien serré. Ça c'est bon. Ah! J'aime pas tourner à droite à cause de ça. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu... ils sont pas avec moi ces deux-là. Allez, copains! LOL. Tire à la tête. 33 points de dégâts. Aïe. J'ai pas de bouclier. Ça par contre c'est pas sympa quand on donne pas de bouclier alors qu'il y a des arbalètes. Non mais... Non! Non! Ah, ouf! Oh la vache! Aïe! Voilà, ça c'est bon. Je peux pas monter? Ah, si. Voilà, j'ai cru que j'avais perdu le tournoi bêtement parce que la fin là j'avais plutôt bien géré. Deux équipes avec chacune un combattant. Et pourquoi moi je suis... Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas, c'est que... Ah ouais. Ça c'est horrible. Voilà, reste comme ça. Vive l'IA pourri. Ok, c'était pas loyal du tout, mais en même temps, là pour l'instant, il était en train de me défoncer. Il faut que je gagne. Non! Ils sont sérieux!
J'aime bien. Ils m'ont donné des armes que j'aimais bien tout le long du match, enfin du tournoi. Et là, pour le dernier, ils me filent l'arme que je déteste, la lance. Ils aiment rigoler, je crois qu'ils adorent rigoler. Ah, ça va, je commence à prendre le coup en fait. À force de faire des tournois à la con, on utilise la lance. Ça y est. Boum, 3980 deniers d'un coup. 3980 deniers. De la renommée, de l'expérience, tout ce que vous voulez, ça c'est cool. Par contre, les mecs, c'est quand même la guerre en fait. J'ai envie de dire. C'est la guerre et vous êtes tous en train de faire un joli petit banquet, peinard, un tournoi, tout ce que vous voulez. Même le roi. Je vais juste. Ouais, c'était pas elle que. Ah non, c'était pas elle. Je me disais, j'avais dédié une meilleure victoire à quelqu'un. Alors. Comment avance la guerre? Ok. Bon, bah voilà, c'était plutôt pas mal. On va arrêter là cet épisode. On a fait vraiment pas mal de choses dans cet épisode, hein. On s'est battu, on a failli crever plusieurs fois, on a fait beaucoup, beaucoup de bastons. D'ailleurs, je pense que l'épisode est un poil plus long que d'habitude. Mais j'en suis vraiment content. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc., etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous!